C'est comment t'as mis? Ouais, ça va très bien. T'as pas mal, talent, tu vas où? Mesdames et messieurs, par rapport, oui, je suis avec mon élément. Je suis venu me découvrir. J'avais tant que tu étais caché dans ce pays. C'est pas que le dernier, on va se cacher. Tu as Abidjan même, tu es là, on dit non, il est ici, il est là-bas. Non, on s'est laissé là. Le serpent qui se cache, grossit toujours. Ah, c'est le drone, je vois tout le monde. C'est comme ça, ça y est. Mesdames et messieurs, on est avec Emilio le chanceux. Ouais. Stade musical. Et on revient. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre une fois de plus. Vous voyez, on est de retour après la très belle plage musicale de Emilio, le chanceux, featuring Chidima. Vraiment, ça c'est un clip qui fait parler, c'est un clip, on sent qu'il y a eu du travail. Merci. Voilà, je suis venu voir mon type, il me fait jouer billard, c'est moi qui pose les vraies questions. Hein? Mais comme les jus, tout ça, vous savez. Mais le parfois, c'est l'émission où les vraies vérités, comme on dit en Côte d'Ivoire, les vraies vérités doivent sortir. Voilà, c'est un peu ça. Emilio, c'est comment on fait? Ça va, bien, moi, ça va. Salut, deuxième fois. Hein. En tout cas, moi, je suis content. Je suis content de voir un grand DJ depuis où on dansait. Vous venez m'interviewer chez moi à la maison, c'est un plaisir. C'est le travail, c'est le travail. Est-ce que vous avez bien filmé la maison du gars là? C'est la même maison, hein? Ah, filmez ça après. Voilà. Alors, Emilio, en tout cas, merci beaucoup de nous recevoir ici chez toi. Merci. En tout cas, c'est cool. C'est la famille, c'est comme ça. C'est un plaisir aussi pour moi. Ça fait combien de temps que tu es à Abidjan déjà? Celui-là, ça fait une semaine. D'accord. Puisque je vais à Ouaga, je reviens, Ouais, à propos, Emilio, tu es ivoirien, mais tu es burkinabé, mais tu es ivoirien. Non, je suis burkinabé 100%, mais je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je suis ivoirien burkinabé. D'accord, non, mais c'est super. Tu sais, il a demandé ça parce que, bon, on dit Emilio quand il est à Abidjan, il dit non, qu'il est ivoirien. Quand il a Emilio, il dit qu'il est tout double jeu. Ah, donc, ça double jeu. Le gars, il a les deux trucs. Ça fait bien. Vraiment. Hein? Ah, non, c'est propre. En tout cas, tu as vu ça, c'est la feuille qui est là. Mesdames et messieurs. La feuille, là, j'ai pris tout mon temps hier nuit pour poser les vraies questions à Emilio. Tout est écrit ici, vous allez comprendre tout à l'heure. Voilà. Je profite pour lancer une dédicace à mon frère qu'on appelle Sky. Sky qui m'a offert cette belle casquette. Frère, merci beaucoup pour le geste. C'est propre, je suis enjaillé. En tout cas, vous pouvez aller sur la page de l'émission Fafa officielle. Vous allez vous poser des questions, vous donner des suggestions, vous apporter vos critiques constructives. Et puis bon, les choses avancent. En tout cas, merci de nous suivre. Alors, Emilio, en tout cas, voilà, pourquoi le chanceux? Pourquoi tu t'es fait appeler le chanceux? D'abord, merci beaucoup. Le chanceux parce que dans tout ce que nous faisons, il ne s'agit pas seulement du talent. Tu peux être talentueux et ne pas avoir la chance. Donc, raison pour laquelle j'ai ajouté le chanceux à mon nom, pour me donner plus de chance dans ma carrière de musique. Et dans tout ce que je fais, quoi. D'accord. Puisqu'on dit que les noms, ça agit. Ça agit, en fait. Voilà. Donc, tu as préféré mettre le chanceux. Le chanceux. D'accord, c'est super. En tout cas, voilà qui est bien. C'est que je veux montrer qu'il peut bien répondre aux questions. Ça vient de commencer. C'est un bon à taper. Alors, moi, je constate que ta musique, c'est le coupé décalé à la base. Oui, à la base. Pourquoi avoir choisi le coupé décalé et pas autre genre musical? D'abord, une très belle question. Le coupé décalé, parce que c'était le style musical où je pouvais mieux m'exprimer en danse et en musique. Donc, le mouvement coupé décalé est arrivé au Burkina, je pense, en 2004 par là. Parce que moi, je suis arrivé en 2004 et le mouvement m'a suivi. Parce qu'en ce moment, je pense que c'était Sentiment Moko qui moussait. Donc, je suis parti avec la casse-tête Sentiment Moko à Ouagadougou et les apprendre la nouvelle tendance musicale de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai décidé de commencer en coupé décalé pour être vite vu et mieux vu. Voilà. Et après ça, j'ai commencé à faire la variété avec Chidima, avec les chansons traditionnelles burkinabé, voilà, ainsi de suite. Jusqu'à présent, ça te fait combien d'albums ou combien de singles? Est-ce que tu as sorti déjà des albums ou... Oui, des albums, j'ai à mon actif 3 albums. Je suis en train de boucler le 4e album. D'accord. Voilà, et puis quelques singles avec Chidima, on aime ça. D'accord. Et puis, sinon j'ai 3 albums et c'est le 3e album, c'est-à-dire le dernier qui a reçu le prix du Koundé d'or et des 3 autres Koundé qui ont suivi. D'accord, non, tout ça on va parler de ça. Parce que Emilio, il y a trop de paroles, trop de choses. Tout ça on va savoir, Alors Emilio, voilà, apparemment tu n'as pas une très bonne réputation au Burkina, parce que moi, ce que j'ai reçu comme écho,
Voilà, apparemment tu n'as pas une très bonne réputation au Burkina. Est-ce que tu sais ça au moins? Ah bon? Non. Tu sais pas. On m'a jamais dit ça. Oh oui, quand on parle d'un bon musicien, bon, quand on parle du Burkina, déjà on parle de moi. Ça, je sais ça un peu partout. Parce on parle que... de toi. C'est ton fantasme qui est là-bas. Non, c'est pas que c'est moi, je suis là-bas, mais bon. C'est moi qui fais l'actualité en ce moment. D'accord. Chacun son temps. Ah, c'est à cause de ça qu'on dit tu veux te comparer à Floby, tu veux marcher sur la tête des Altino, tout ça. Hein? Non, pas du tout. Floby, c'est un grand frère des Altinos. C'est un grand frère. J'ai travaillé avec les deux en tant que danseur. D'accord. Donc, même, c'est ce que je dis à tout le monde, ceux qui nous comparent là, même si Floby arrête de chanter, que moi j'arrive au sommet des sommets, je ne peux jamais le manquer de respect. Il reste toujours mon grand frère, il reste toujours mon dévancier. Voilà, donc mais apparemment, c'est ce que tu dis devant les caméras. Ah bon? Mais dans la réalité, on dit que monsieur Imino, le chanceux, il a oublié sa place. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui-même, il peut témoigner. On l'appelle Naba. Naba, ça veut dire le roi. Mm-hmm. Il est roi de l'ambiance de son village. C'est son chef de village qui l'a nommé. Donc, nous, on l'appelle Naba, roi. Donc, c'est rien que ça, quoi. Voilà, un Naba chez nous, c'est un Naba, même si il arrête tout ce qu'il fait. Un roi interne. Non, ça veut dire que toi, tu n'as pas de problème avec eux. Hein? Non, pas du tout. J'ai même pas de problème avec quelqu'un au Burkina en matière de musique. Ah bon, mais tu es taxé de quelqu'un qui torpille ses amis. On dit, mais Mulo, c'est un torpilleur. Mulo, il est. Papa. Tu pensais que je ne savais pas les deux. Non, pas du tout. Tous les gens qui me connaissent, ils vont témoigner. Hein? Non, ok, Mulo, j'ai ça, j'ai écrit ici. Mais Mulo, c'est un hypocrite, c'est un mesquin, il torpille les gens et tout ça là. Voilà. Et Mulo, c'est ça. Il paraît même qu'un jour, alors, tu étais dans une boîte de nuit, tu allais à un show, il y a un artiste qui t'a appelé sur scène, tu as monopolisé le petit temps qu'on t'a donné là, tu as chanté ton morceau au moins 5 fois. Hein, tu as volé la vedette à celui même qui t'a appelé sur la scène. Hein, parce que ce jour-là, il y avait des boucantiers qui étaient là. Quand tu as vu l'argent net aller, tu as fait. Non, pas du tout. C'est bien tout le temps. Ouais, je me rappelle, il y avait président Estrato et puis il y avait. Il s'appelle comment Commissaire 5500. Mm-hmm. Voilà, justement. En fait, je n'avais pas dit le nom. Quand on m'a dit, c'est bon. Non, c'est juste une petite. C'est pas une histoire. Moi, je n'étais pas invité à la soirée. Donc, ils m'ont je n'étais pas sur la fiche, tu vois. Ils m'ont invité de faire acte de présence. Parce que si je viens. Ces gars-là qui m'aiment là, ces boucantiers-là, ils viendront, c'est bien fait, je vais dire, ils viendront à la soirée parce que je suis là, tu vois. Donc, ils ont associé, bon, pas sur l'affiche, mais ils ont associé mon image à la soirée. Mm-hmm. Je ne voulais même pas sortir, je ne voulais pas venir me forcer, je suis arrivé. Et je ne voulais même pas parler sur la scène, je ne voulais même pas parler au micro. Donc, non, c'est un ami, il s'appelle Yannick Posier. Il m'a invité à... en fait, il m'a provoqué, c'est une sorte de provocation parce que. Ah bon? Ouais, il m'a dit, Jean, quand on parle de couper, décaler, c'est personne d'autre, c'est lui, Jean, il se donnait des trucs bons. Il lançait des piques en fait, pour qu'il puisse me lever. Parce qu'il avait dit non, je ne suis pas invité à la soirée, on ne m'a pas payé, donc je ne peux pas participer à la soirée. D'accord, mais donc, dit, il s'appelle Yannick Bozier. Oui, on l'appelle Bébé Chégal, c'est ça, c'est son nom. Bébé Chégal, Yannick Bozier. Ah, d'accord. Tout ça, c'est son nom. Ah, d'accord. Donc il a lancé des piques en disant que si moi aussi, garçon, de venir, voilà. On s'est testé au micro, tu vois, dans un atalaku, sur un atalaku. Et il a mis le but, il a commencé à chanter. Bon, devant la foule, tu vois, c'est vrai, je suis calme, mais bon, moi, dans mon boulot, on me lance pas des trucs comme ça. Mmh, on ne te défie pas. Ouais. Voilà, mais je pense que ça a été concordé par le propriétaire du bar ou le manager, parce que s'il prenait le micro, ça allait déjà foule. Il a pris le micro, il a changé, il a pris le micro, il a dit qu'il ne fallait pas appeler l'homme qu'on aime en ce moment, tu vois, il ne fallait pas appeler le fils du pays. Donc voilà, et puis c'est quelqu'un aussi, on le trouvait trop arrogant, tu vois, qui respecte pas et tout, bon, les gens pas bon. Et là, il a dit qu'il a changé, qu'il va rester à l'histoire de Palame et autres, il va se concentrer sur la musique. Donc quand il est monté, bon, il m'a appelé, il a juste fait un petit attelage, je suis allé m'asseoir. Je pense que quand il chantait les boucles, ils ont travaillé sur moi. J'ai ramassé mon dieu, il a mis ça sur moi, je suis allé m'asseoir. Donc, je pense qu'il a demandé sa chanson, et puis ça tardait. Donc, il a jeté le micro à tête, puis il est sorti. Donc, il a sorti ce que je pouvais faire pour le public, c'est quoi? J'ai pris le micro, et j'ai fait un acapella, et demandé, j'ai débalancé ma chanson.
Parce qu'il ne faut pas dire que tu changes et puis tu as changé et puis tu viens faire ces bêtises. Il dit, mais Joe, tu dis tu as changé. Et puis, comportement, viens prendre ton micro, tu vas chanter pour le public. Parce que le public est là pour toi. Oui, bien sûr. Ben, il n'est plus revenu. Ils sont allés le chercher. Il n'est pas revenu. Il a dit, il ne rentre plus dans le bar. Donc, moi, je suis venu en tant que sauveur. J'ai mis ma chanson Soukini. Je n'étais pas venu à mes danseurs. Donc, il y a plein d'autres danseurs qui m'ont accompagné. Et encore, le boucan, tu es donc ça. Voilà, sinon ça a créé la polémique. Et quand je suis sorti, tout le monde est sorti avec moi, les boucantiers, tout le monde a changé le coin. Le coin était vide. Donc c'est pour dire qu'il faut rester toujours humble, il faut rester toujours. Mais il paraît que ceux mêmes qui sont dans la boîte, il paraît que les DJ de la boîte, les managers, tu es parti avec là, 5 francs cassés, tu n'as pas gagné. Oui, mais c'est mon argent, ils n'étaient pas programmés, ils ne m'ont pas payé. Donc, non, mais au moins, lui, ah, tu vas me dire que tu es méchant, moi, il n'était pas connu. Non, je ne suis pas méchant. Je suis venu faire papa, il sait qu'il a gagné au moins une enveloppe avec toi au-dessus. Donc, il ne faut pas me montrer qu'il n'a pas gagné l'enveloppe. Parce que tu as fini de tuer, tu as eu beaucoup d'argent. Et puis, tu n'as pas donné à quelqu'un, tu es parti, c'est pas normal. Au moins, tu donnes un petit truc. Non, je pense que mon manager a pris un peu, il a partagé à. Ah, mais eux, ils disent qu'ils n'ont rien reçu de toi. Non, ça. C'est comme ça, c'est tout comme ça. C'est tout le manager général qui prend, peut-être, il ne donne pas aux autres. Sinon, le manager a fait le gay. Ça, c'est normal. Il a fait le gay. C'est normal. Ah, là, ils ne veulent pas le gay. Demain, ils ne vont pas me jouer. Ouais, c'est pas. Et puis, c'est pas bien, donc. C'est pas faux. Ok, il n'y a pas de souci. Ou dans vous, êtes ici là, vous avez les scoops. Oui, mais on a tous les scoops. C'est comme ça, on est dans les rues. Ici, les gens m'appellent, on dit. Voilà, la petite scoop. Un truc avant tiens là. Voilà. On m'explique. Parce qu'on sait que tu es chargé de poser la question. C'est ça. Tu vois un peu. Tout à l'heure, je te posais une question en introduction à propos des désaltimes. Tu as dit aussi qu'il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu souci des femmes, mais tout ça. Non, jamais. Ah bon, donc la personne qui m'a dit ça a menti. On n'a pas le même goût. Jean quoi. On n'a pas le même. C'est un coro. Les non, pas ça. On n'a pas. On n'est même pas sur le même terrain, non. Faut bien parler. Hein. Vivez moi, il est le même vieux goût. Donc, c'est pas le même truc, même. C'est même pas la même chose. Alors, ça veut créer un problème. Mais c'est ça, c'est pas pour ça. Enfin, il faut qu'on te pose. Il faut qu'on te pose les questions. C'est que là, ils sont en train de rentrer dans toi. Alors, Emilio, dis-moi, au Burkina, ça se passe comment entre vous, les artistes? Est-ce que vous êtes tout en clash ou est-ce que c'est de l'hypocrisie ou est-ce que vous entendez très bien? Bon, moi, je sais pas, moi, je veux savoir. Bon, c'est pas comme ici en Côte d'Ivoire où il y a les clashs qui font bénéficier les artistes d'ici en vue, en followers, en fans et tout. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Vous connaissez le Burkinabé. C'est quelqu'un de très respectueux, qui a honte de beaucoup de choses, qui fait les choses cachées. Donc, on a au moins deux ou trois personnes qui arrivent à se démarquer, qui veulent faire comme les autres artistes. D'ailleurs, mais bon, chez nous, il n'y a pas ces histoires de classe. Mais l'hypocrisie, on ne peut pas l'effacer de l'homme, tu vois. C'est vrai, il sait qu'il y a beaucoup d'artistes, on se salue, mais au fond, tu vois, je pense que c'est, comment on appelle ça? C'est la rivalité musicale toujours, voilà. On se salue, on rit, mais au fond, tu vois, c'est pas ça, quoi. Donc l'hypocrisie existe toujours dans tous les milieux. Sinon, ces histoires de clash au Burkina, non, on n'a pas encore vu. Genre, Emilio en train de clasher telle personne, mais telle personne, non. On n'a pas encore. D'accord. En tout cas, moi, j'ai remarqué que toi et le groupe Révolution, vous êtes très, 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 très amis. Oui. Vous vous entendez très bien quand ils viennent au Burkina, c'est avec toi qu'ils sont, ouais. Et tout. Vous êtes très très amis là. Très 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 amis. Ouais, il paraît que cette amitié là, ça voilà, il y a quelqu'un qui voilà qui a compris en bon français, il y a quelqu'un qui avant que cette amitié ne naisse, il y a quelqu'un qui a pris un coup par rapport à ça. Un certain pigeon manager. Il paraît que voilà, c'est lui, c'est lui qui était au courant. C'est pas vrai. Il paraît que c'est lui qui était, comment on peut dire ça. Le manager, bon pas le manager donc est tel, mais ouais. Les révolutions quand il venait au Burkina et tout, parce que Emilio est rentré dedans, Emilio a topié le gars pour marcher, pour être maintenant ami au gars des révolutions. Pour moi ça m'a paru un peu absurde, donc il fallait que je te pose la question pour que tu m'expliques. Non, c'est pas une histoire, c'est... En fait, les révolutions, moi j'étais comme un fan de révolution, c'est vrai, je faisais de la musique, mais j'aimais la musique, puisque j'étais disque jockey, je jouais à la musique, j'aime le Zouglou. Je jouais le morceau quand j'ai entendu qu'ils étaient au Burkina pour la première fois. Je me suis approché d'eux, tu vois, pour mettre une amitié. Voilà, c'est comme ça que je fais avec tout le monde. Et c'est là, je ne sais pas si Pigeon était là avant moi ou après, mais
André Pigeon était avec eux. Et quand moi je suis venu, j'ai eu un nouveau ami, tu vois. Et puis ils étaient avec moi, avec moi ça allait et tout. Donc c'est comme si, tu vois, quand tu gagnes un nouveau camarade, tu vois, l'ancien, bon, t'as plus trop d'importance. En fait, c'est un peu ça. Ils se sont sentis mieux avec moi qu'avec Pigeon. Bon, c'est un vieux père. Bon, je pense qu'il a commencé à ne pas aimer un peu le truc. Mais c'est ça, c'est une histoire de d'amour entre frères. Voilà, donc. Donc tu veux dire que le vieux père était jaloux en fait. C'est ça, on dit ça. Le gars, il était jaloux parce que tu as commencé à marcher avec ces gars et qu'il était avant. C'est ça. Jusqu'à même s'éloigner d'eux, tout ça à cause de toi. Oui, après, bon, après, c'est eux qui m'ont dit donc. Pigeon ceci, Pigeon cela. Bon. Sinon, Pigeon, normalement, c'est le manager, Patrick Ogier, qui l'a nommé comme le manager de Révolution au Burkina. D'accord. Donc, et souvent aussi, il devait travailler moi aussi d'autres trucs, mais il ne voulait pas, tu vois. Mais c'est pas pourquoi, mais bon, il reste toujours mon vieux mort. Il est trop fort, lui, là. Ça dit, il est très blanqué, il ne peut pas répondre. C'est pas mieux comme ça. Il a regardé tellement les parfums que maintenant il dit attends, c'est rendu là, faut que je réponde de telle et telle et telle manière. Il est trop fort. Allez, je pose les questions pour le bloquer, mais puis il drive, il saute les obstacles. Ok, mais c'est bon, il y a faux. Merci. J'ai une question pour toi. Et c'est cette question là, on ne te l'a jamais posée. Peut-être que tu as eu des rumeurs, tu as entendu rien dire ça à ton sujet. Parce qu'un artiste, il n'entend plus ce qu'on dit de lui. Mmh. Voilà. Il paraît que. Hein, j'ai appris que le Daire a appris que Emilo entretient une relation avec une de ses danseuses. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, on a plusieurs fois posé cette question. Hein? La danseuse en question, elle s'appelle Ziquette. On dit Emilo, soit Ziquette et tout ça, machin. Ça fait jalousie si elle, tout ça. Tout le monde me pose cette question. Ah bon? Ah, ça a commencé depuis, elle est toute petite. Seulement, je l'ai prise ici pour l'envoyer. Ah, tu l'as prise à Abidjan ici? Ah, oui, j'étais parent depuis aux vacances. Donc, ça raconte, c'est comme ça. À un moment, on disait, Beno sautait avec Zota. Parce que quand ça marche bien entre l'artiste et sa danseuse, on dit toujours comme ça, c'est ça. Voilà, à un moment aussi, on racontait. Les gens racontent tout ce que quand il y a une fille dans un groupe là, de musique là, c'est toujours comme ça. Soit on dit Floubi, soit avec ses danseuses, bon, jusqu'à il a dit mieux, il reste une. À un moment, on dit non, c'est plus lui, c'est son petit. Même des Aldino, il a que des filles, on dit soit avec ses danseuses. Donc ça arrive. Les gens s'imaginent des choses. Donc sinon, non, c'est ma bonne petite, on travaille ensemble toujours jusqu'à aujourd'hui. Et elle vit son petit, le bas du foyer, mais avec quelques. L'un des petits que je respecte, donc moi aussi je suis. Mais c'est abonné, n'hésite comment c'est fait, il n'y a rien à vous et puis on parle de ça. C'est la chaîne que vous avez fait, un petit mouvement que les gens ont vu. C'est comme ça. C'est ce qu'elle dit, la même dans Favre, voilà, il y avait une fille qui, à travers la caméra, elle dit, elle me dit, tu l'as beau, c'est comme ça. Bon, sinon, c'est la chef du groupe, voilà, c'est elle qui est à la tête et c'est la meilleure danseuse du groupe, donc c'est elle qui gère. Tout ce qui est dans ce. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est tout. Sinon, faut y aller. Ah, voilà qui est clair. Alors, Emilo, tout à l'heure, tu disais que tu étais DJ, tu avais joué la musique Zoulou et tout. Moi, j'étais concentré à t'attaquer même là. J'ai oublié de te demander, mon frère. Comment est-ce que tu as commencé le mouvement et puis tu es devenu aujourd'hui artiste? D'abord, ça a commencé par la danse à Tiassalé, le ballet municipal de Tiassalé. On faisait la danse, la musique et le théâtre. Donc en 2004, quand je suis arrivé au pays, sur mon Burkina, j'ai continué dans la même lancée avec la danse, le théâtre et la musique à la TB, la télé-théâtre burkinabé. Et je faisais l'école. Et après ça, je faisais mes petits clips à côté et tout pour voir le guet. Donc ainsi de suite, le mouvement Coupé de Calais est venu. Donc je me suis lancé dans les Atalakou. Ils ont vu que je chantais bien et tout. Donc j'ai participé à des compétitions de DJ. D'accord. Voilà, à Talakou. Et j'ai été meilleur DJ à Talakou Télécel. Et en plus, j'ai participé à une compétition organisée par Yerof. Il voulait 4 DJ sur 60 pour faire un album, un groupe. Participer, puis on a remporté. On a fait le premier album. Et ensuite, après ça, 2 ans après, moi, j'ai
fait ma carrière solo. Mon premier single avec Serge Beno, mot de passe. Et ainsi de suite, c'est voilà, j'ai commencé à jouer dans les bars, maquis, apprendre à jouer les appareils, des noms 9000, 6000. Voilà, après l'ordinateur est venu gâter le marché des DJ. Et puis en plus, aujourd'hui, nous sommes sur les platines, donc c'est un peu comme ça. Même jusqu'à présent, je joue. Hein. Je joue deux fois, j'ai une console pour les spectacles. Donc à la maison, souvent, je m'entraîne. Donc, je tire sur la mode, quoi. Dans le truc. En tout cas, toi, tu es fort, t'es déjà sur la platine, tu es au haut niveau, j'ai vu. On sait pas comment. C'est le maïmant qui est là. En tout cas. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Alors, Emilio, franchement dit, l'ascension que tu as eue, c'est quelque chose qui fait plaisir. Merci. Parce que moi, comme ça, je suis un DJ, je sais que tu es un DJ. Moi, je suis toujours fier de voir des DJ à un certain niveau, tu vois. Hein? Voilà, même s'il y a certaines personnes qui disent que Emilio fait trop de médicaments, que c'est le médicament qui a fait qu'Emilio a trouvé là où il est aujourd'hui. Voilà. Oui, on dit Emilio fait trop de médicaments, qui les font, des fois on appelle ça déjà WAC. WAC. Les fois, les font des bambadis. Ils ont des amours. Ouais, ils font des amours. Hein? Emilio, c'est vrai, mais c'est faux. Non, c'est pas vrai. Tu aimes trop médicaments. Tout ce, écoutez mes chansons, je parle toujours de Dieu. Non, mais il y a des gens qui parlent de Dieu et puis font médicaments derrière, on connaît ça ici. Ah. Oui, on connaît ça. Non, pas médicaments. C'est quand je suis malade, je fais médicaments, sinon je pas médicaments. Quand tu es malade, tu fais médicaments. Voilà. Quand tu es malade, je me soigne. Sinon que tu n'es pas dans les... Non, ouais. Je ne suis pas dans les... C'est le travail, c'est le travail. Ah, bon. Mmh. Sinon... Non, j'ai des médicaments là. Le meilleur chanteur à l'aide béninois avec Burkinabé, hein. Le meilleur chanteur du monde. Mmh. T'as pas de médicaments. Ah, donc tu reconnais que Burkina font médicaments beaucoup. Ouais. Au Burkina, Bénin, c'est les deux pays, on sait, dans un monde, sont derrière. D'accord, super. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tu as eu beaucoup de distinctions. Oui. Quelles sont les... Bon, je sais que tu peux pas tout citer, mais il faut citer les distinctions qui t'ont vraiment fait plaisir jusqu'à aujourd'hui. Parlons des trophées que j'ai eu, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le Koundé d'or. Quand on dit or, c'est le plus gros, grand Koundé. 2017, c'est-à-dire meilleur artiste de Burkina, avec deux autres trophées. Meilleur artiste joué en discothèque, et puis je pense meilleur clip vidéo. Donc il y a eu trois trophées en 2017. Mm-hmm. Ensuite, l'année qui a suivi en 2018, l'année passée, le trophée de l'artiste le plus joué en discothèque. Et puis encore cette année, meilleur clip avec, feat avec Shizima. Mm-hmm. Bon, meilleur featuring, pardon, mm-hmm. avec Shizima. Donc c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et puis il y a eu une distinction aux États-Unis, voilà, en 2016-17, quand je suis allé à New York, après mon festival, ils m'ont donné un certificat de reconnaissance en tant que jeune artiste montant. Voilà, donc c'est vrai, il y a beaucoup de trophées, vous allez voir dans la vidéo. On aime ça. On lit la vidéo au début, dans mon tour, était tellement full que. On va tout citer ici. C'est le travail. Alors, Milo, comment un artiste fait pour arriver à ce stade-là? C'est-à-dire arriver à être reconnu par ses pairs. C'est quoi la recette? C'est quoi le secret? Le secret, c'est le travail. Il faut travailler. Il ne faut pas s'arrêter de travailler. Il faut toujours bosser. Moi, je pense que c'est ça qui fait, c'est ça qui donne des étoiles. Voilà, c'est ça qui rend star. Mm-hmm. Donc, moi, je ne m'arrête jamais, je travaille toujours, j'essaie de créer, de chercher. La raison pour laquelle je voyage beaucoup, je fais beaucoup de pays. Mmh. D'accord. Mais dans les différents pays où tu vas là, par exemple, tu es allé aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, par exemple, est-ce que les mélomanes américains eux-mêmes, est-ce qu'ils connaissent ta musique? C'est vrai que dans les milieux africains, tu es connu, mais est-ce que, au-delà de ça, est-ce que les Américains, par exemple, est-ce qu'ils savent qu'il y a Emilio, ils connaissent tes chansons? C'est vrai, au début, ils ne savent pas parce que c'est la diaspora africaine qui nous invite là-bas, voilà, pour les showcases. Donc, arrivé là-bas, nous avons des amis américains, ils viennent avec 2, 3, 4. Donc, au fur et à mesure, ils commencent à nous connaître. Et quand ils finissent, ils vont, je viens là, c'est des talentueux, écoute, souvent ils nous approchent, ton nom sur YouTube, c'est quoi? Ton compte, tu as un compte YouTube, là. Ils prennent et puis après, ils vont checker, ils montent à leur famille. C'est comme ça ils sont en fait. Donc, petit à petit, ils sont en train de me connaître. Ok, c'est super, Emilio. C'est super. Alors, Emilio, tout à l'heure, on va parler de ton featuring avec Shizima. D'accord. Mais avant ça, est-ce que tu as eu à collaborer déjà avec des artistes internationaux? Oui, avec Révolution, j'ai collaboré avec beaucoup d'artistes. Sidiki Diabaté qui n'est pas encore sorti.
Ça fera le bien qui n'est pas encore sorti. J'ai collaboré avec un artiste au Canada. Voilà, ça, c'est pas encore sorti. J'ai collaboré avec des artistes français. C'est pas encore sorti, mais bientôt vous allez avoir beaucoup de surprises. D'accord, c'est super. Ouais. Alors, comment s'est fait ta rencontre avec Chidima? Comment est-ce que tu as organisé tout ça pour pouvoir venir un featuring avec elle? Chidima, c'était depuis je faisais des posts sur les réseaux sociaux en disant que c'est ma femme et tout, mon bébé, Madame Ilboudo, parce que Ilboudo, c'est mon nom de famille. Donc, les gens me prenaient pour un fou. Mais notre star, il est fan d'une star, donc c'est un peu comme ça. J'attire l'attention de Chidima parce qu'elle chante bien, je l'aime bien en tant que musicienne et tout. Et elle est venue au Koundé, Koundé d'or. Donc il y a un promoteur qui a jugé bien et bon de nous mettre face à face. Jean Chidima et Emile le mariage à Bobo du Lasso. Donc on a fait le conseil. Et là, elle a vu qui était Emile le chanceux. Mm-hmm. Elle a vu comment, j'ai dit à Foul, comment je suis aimé dans mon pays. Et par la suite, je lui ai demandé un futur. Non, il n'y a pas de problème, comme tu es aimé et puis tu es un bon chanteur. Bon, je donne mon programme dans un ou deux mois. Tu viendras au Nigeria, on va faire le truc. Donc, elle m'a appelé. Voilà. Et elle m'a dit d'envoyer le projet. Donc, j'ai fait le projet, j'ai envoyé, elle a écouté, elle dit c'est bon. On a décollé, on est arrivé au Nigeria. Elle a posé sa voix dans son studio. On a, ensemble, l'arrangement, on a fait le clip. Et j'ai ramené le projet. C'est vrai, son arrangeur a arrangé de sa manière. Mais moi, ça ne me plaisait pas tout. Donc, j'ai ramené au Burkina. Et mon arrangeur, qui est Doudendi, qui le salue, qui a tué le son. Et puis le clip est sorti. Ils ont fait la vidéo, c'est eux qui ont tourné. Ils nous ont envoyé par mail, on a vérifié, corrigé, on a renvoyé. Ils nous ont envoyé la bonne version et puis on a fait sortir cette collaboration. C'est comme ça un peu, ça se passe. En tout cas, c'est une réussite. C'est merci une beaucoup. Réussite. Merci. C'est une réussite. Maintenant, à part ça, je voulais te demander autre chose aussi. Qui actuellement, je sais que tu as un staff, tu as un manager, tout. Mais est-ce que Milo a se fait produire par quelqu'un ou alors c'est Emilo qui produit ses... Ah d'accord, ouais, une bonne question. C'est comme je dis, c'est Dieu production, c'est moi-même, je m'auto-produis depuis le début. Donc je pense que d'ici là, voilà, j'aurai la chance de signer avec le major. Sinon pour l'instant, c'est une production auto. C'est moi-même, je fais tout ce que vous voyez là. D'accord, mais quelles sont les difficultés que tu rencontres quand tu décides? Parce que tout artiste voit, ouais. Et Emilo, comment je vois un peu le travail que tu fais, quand je vois les clips que tu réalises et tout, que tu t'arranges pour faire réaliser, c'est vraiment du boulot colossal. C'est vrai. Donc quand c'est comme ça, quand tu veux par exemple faire un truc grandiose, par exemple, tous les clips que tu fais en fait, quelles difficultés est-ce que tu rencontres dans ces circonstances-là? Déjà, c'est les moyens qui manquent. Parce que ce qu'on gagne en spectacle, ce qu'on gagne comme droit d'auteur, ce qu'on gagne en général dans la musique, on la remet dans la musique. Donc, tu gagnes 10 millions, 20 millions, tu viens faire un clip de 5 millions, tu fais une promo de 5 millions, tes 10 millions sont morts. Donc, je pense que c'est un peu la difficulté. C'est de... On gagne, mais on remet encore. Voilà, donc de nos jours, on ne fait plus de petits clips. Il faut qu'on fait de gros trucs. Donc c'est comme ça. On gagne, mais ça retombe dedans. D'accord. Mais est-ce que il n'y a pas des gens qui t'ont déjà approché pour dire, mais Milo, non, on veut faire ci, on veut faire ça, et c'est toi qui as refusé, par exemple? Les gens qui veulent nous aider. Oui. Non, il y a des gens qui viennent, qui sont fans de nous, qui nous donne, qui nous aide. Ouais, mais bon, voilà. C'est pas suffisant, mais c'est bien. Ça soigne. Ça soigne. Ça aide. Ça soutra, ça soigne, ça aide. C'est super. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Milo. Plage musicale. On revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Ouais, toujours avec Milo le chanceux, concepteur de Wassa. Moi, c'est le Wassa qui est aimé. Et t'es trop fan de ça. Mais non, c'est le Wassa. Ah, c'était trop bien. Alors, Emilo, actuellement, avec quelle grosse star tu rêves de faire un featuring, par exemple? Matt James, il est tout terrain. Puis il est un travailleur. Ouais. Donc, c'est ton rêve de faire un featuring avec Matt James. Un dangereux featuring, hein. Alors, Megui, si tu nous suis à Fafa,
Emilio le chanceux, artiste très très talentueux, superstar au Burkina Faso. Rêve de faire un featuring avec toi. Ouais, avec plaisir. Voilà, donc, vos sciences, on voit les mails et puis on va faire ce qu'on peut faire. Voilà, on sait que c'est un monsieur qui est ouvert, qui n'est pas compliqué. Les choses vont se passer, Inch'Allah. Alors, Emilio, moi j'ai une question aussi qui me tarit de l'esprit. Pourquoi au Burkina, par exemple, pourquoi les artistes burkinabés ont du mal, bon, si c'est pas peut-être avec vous, votre génération, mais ça traîne encore. Pourquoi est-ce qu'au Burkina, les artistes burkinabés qui font la musique, pourquoi s'ils ont des difficultés pour être de très gros stars sur le plan africain? Je pense que c'est dû qu'il n'y avait pas de maison de production au Burkina. Bon, disons qu'on parle de maison de production, de grosses maisons de production, comme ce que vous connaissez. Mm-hmm. Voilà, donc c'est maintenant les maisons de production sont en train de s'installer au Burkina. Et je pense que c'était dû aussi à l'internet qui n'était pas fluide, mais Dieu merci, on nous a dépassé, on a la 4G+. Et voilà. On aura bientôt la 5G, hein, il ne faut pas nous dépasser. Et puis, ça veut dire que le Burkina, c'est un pays qui n'est pas vraiment connu. Mm-hmm. Pas connu. Même quand tu vas en Europe ou bien tu vas aux États-Unis, tu dis I'm come from Burkina Faso, on te demande c'est où. Mm-hmm. On te dit c'est vers où, tu oublies d'expliquer ou de dire non, le Thomas Sankara ou bien quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas un petit pays pour l'instant. Mm-hmm. Et c'est pas un pays riche. Donc, je pense que notre combat, c'est de faire la promotion de notre pays. Et quand le pays est connu, les artistes vont être connus, le footballeur, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, mais c'est déjà bien parce que nous, on commence à nous connaître et on va aussi promouvoir ceux qui viennent derrière nous. Mmh, c'est important. Ouais, c'est très, important. Très important. Bientôt, dans la 5 ans qui arrive, vous allez voir que les artistes du Burkina, ils sont à la première place. Ça vient, ça travaille pour ça. Il est sans son affaire. Alors, Emilio, quel conseil tu peux donner à ces jeunes gens, à ces jeunes Burkinabés, à ces jeunes Ivoiriens, à ces jeunes Camerounais, à ces jeunes Africains qui ont envie d'arriver au même niveau que toi, qui te voient, qui ont les yeux qui pétillent, qui ont envie de te ressembler? Quel conseil tu peux donner à ces jeunes-là? D'abord, cela dit que ce n'est pas facile. Tout travail est difficile, mais il ne faut jamais abandonner, il faut toujours travailler. Et de toujours et d'éviter la facilité. La facilité, ça nous amène dans les mauvais coins comme la prison, ça nous envoie dans des mauvais coins, disons. Donc, il ne faut jamais accepter la facilité pour réussir. Ah, viens, fais ça, tu seras un grand artiste, musicien, fais ça, ou bien. Non, il faut travailler, il faut suivre le bon chemin. Je pense que si tu travailles, ça va aller. Et n'oublie pas que la musique d'aujourd'hui, c'est les moyens, hein, ça a besoin de moyens. Donc, faites comme moi. Moi, j'ai commencé avec un seul titre. Je jouais un temps 10 000, 20 000, 20 000. J'économisais mon argent parce que je savais ce que je voulais. Mm-hmm. Je devais faire un gros clip. Et c'est ce monsieur Roland Le Benguis qui. Bon, salut au passage. Voilà, qui le salue. Qui a vraiment beaucoup fait pour moi aussi parce que c'est avec lui que j'ai tourné parce qu'il devait passer sur une très grande chaîne. Mm-hmm. À l'époque. À l'époque. Mm-hmm. Et c'était lui. Donc, je suis allé le voir, il a fait le clip et c'est ce qui a fait mon succès parce que je fus le premier Burkinabé à passer sur cette chaîne-là. Mm-hmm. Et en ce moment, j'étais dans mes broubroulides, mm-hmm. animation, avec une marque de boisson. Mm-hmm. Donc, je cherchais mon... Ce jour-là, je me rappelle très bien, ça a été joué à la mi-temps d'un grand match. C'était une CAN. Je pense que c'était la CAN 2012 ou quoi là. Mm-hmm. Et pao, quand ça a commencé à jouer, visibilité que ça m'a donné là. Non, c'est pas pour les enfants. Donc je remercie Roland Le Benguis et puis Ibrahim Dabogan. Mmh. Voilà, lui travaillait là-bas. C'est lui qui frappait les clips à la main. Ah non, lui là, il a trop fait pour. Donc voilà. Mmh. En tout cas, c'est ce qui m'a propulsé. Mmh. Donc, travailler, économiser et puis faire de belles choses, ça va toujours triompher. En tout cas, Emilio, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dis-moi, à quoi on doit s'attendre dans les semaines à venir? Oui, un nouvel album avec de gros featuring, un album très lourd, jamais réalisé au Burkina. Voilà. D'accord. Et le Koundé qui arrive, je pense que ça sera encore venu. Ah, tu n'es pas fatigué? Le grand Koundé, il y a plus à une fois, le gros, il y a plus à une fois. Là, avec 4 petits, ça fait 5 déjà. Mm-hmm. Donc, ce Koundé qui arrive, il y a 5, ça fait 10. Mm-hmm. C'est bon.
Là maintenant on cherche plus Koundé, on va chercher les Grammy, les Disto, les MTV Awards, voilà. Et bientôt la Ivoire TV Music Award, bientôt. Ouais, super. C'est super, c'est super. Alors Emile, vraiment merci frère, merci beaucoup, de nous avoir reçus ici dans ta très belle maison ici. Merci beaucoup le vieux, c'est un plaisir. Il y en a maison partout, hein, il y en a. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus et l'équipe de Ivoire TV Musique te salue. En tout cas, je dis merci aussi à Ivoire TV. Vous me jouez, c'est bon. Oui, mais nous, on est comme ça. Nous, on ne trie pas. On ne trie pas comme... Bon, tu vois un peu. Voilà. Non, on joue tout le monde. Il a rien joué, il a fait ton farfa. Ça vient. Merci en tout cas. On est ensemble. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de. Voilà, je profite en même temps pour saluer mes amis qui sont au Burkina, Didier Oxy, que je salue. Je salue Diapre Sawaga. Je salue mon fils Zetré Premier du côté du Burkina Faso aussi. C'est la famille, on est ensemble. Merci de nous suivre. Il paraît que je suis très star au Burkina actuellement. Ouais. Les Fafa moussent mal. Ça mousse mal au Burkina. Ah, je reviens là-bas bientôt. Je reviens. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour tout ce qu'on appelle la convivialité que vous nous donnez, de toute l'affection que vous nous donnez. Allez sur la page Facebook de l'émission, c'est Fafa officiel. Vous laissez des messages, vous nous donnez des encouragements, vous nous donnez des idées. On finit jamais d'apprendre, il faut toujours évoluer. C'est très, très important. C'est important. Voilà, William Santiago est à la caméra. Roland Lebeng qui réalise cette émission. Votre ami serviteur, le dernier, toujours pour vous servir. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il nous fait un petit truc. Le nouveau, je suis au courant. T'as fait un petit truc. T'as préparé quelque chose dans une marmite. Je suis au courant. Faut faire un petit truc. Man bon foa. Ma panaman faut boumi. Mam sambol faut. Yaina wum taba. Waka til wum taba. Ton nan de mame. La. Pougou sawa. Ah. Il y a Donny. Ça, c'est le nouveau style Karim. Ça, c'est dans son net. Mais il va nous tuer. On chante plus en français, on fait ça en mourir. On est ensemble. Que Dieu vous garde. Amen. C'était Fafa.